Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 27 mai, nous commémorons Saint Augustin de Canterbury. Bonjour. Saint Augustin de Canterbury, également connu sous le nom d'Augustin le Missionnaire, est né à Rome au VIe siècle. Moine bénédictin, il est envoyé par le pape Grégoire le Grand en 597 pour évangéliser les anglo-saxons en Angleterre. Accompagné de 40 compagnons, il entreprend ce voyage périlleux pour prêcher la foi chrétienne dans un territoire largement païen. À son arrivée en Angleterre, Augustin est accueilli par le roi Æthelbert de Kent, dont l'épouse, la reine Berthe, est déjà chrétienne. Grâce à son soutien, Augustin commence à prêcher et baptise le roi Æthelbert, ce qui marque un tournant important dans l'évangélisation de l'Angleterre. En reconnaissance de son succès, Augustin est consacré premier archevêque de Canterbury. Il fonde plusieurs églises et monastères, posant les bases de l'Église chrétienne en Angleterre. Augustin est connu pour sa sagesse, sa patience et son dévouement à sa mission divine. Il meurt le 26 mai 604 et est enterré à Canterbury. Saint Augustin de Canterbury est vénéré comme le fondateur de l'Église anglaise et est honoré pour son rôle crucial dans la conversion des anglo-saxons au christianisme. Voici une prière dédiée à Saint Augustin de Canterbury. Ô Dieu, qui as envoyé Saint Augustin de Canterbury pour apporter la lumière de l'Évangile au peuple d'Angleterre, accorde-nous, par son intercession, la grâce de suivre son exemple de foi et de zèle missionnaire. Que son courage et sa persévérance nous inspirent à partager la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Saint Augustin de Canterbury, prie pour nous. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Saint Bruno. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint.